comment lancer une agence sans argent? Tous les sujets que je vais traiter dans mes vidéos partent de mon expérience personnelle. Donc si vous me suivez, vous savez que j'ai une agence de placement en stage et en job pour les étudiants. Et grâce à cette agence, je peux être libre financièrement aujourd'hui. C'est ce qui me permet aussi de pouvoir allier ma passion avec le travail, notamment les voyages. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo depuis Malte où je suis en voyage pour quelques jours. Quand j'ai commencé cette agence, j'avais vraiment 0 €. À l'époque, la création de sites internet, les formations en ligne n'étaient pas aussi disponibles facilement et donc ça n'a pas été évident de lancer mon site et de lancer mon agence sans investissement. Aujourd'hui, c'est encore plus facile et vous pouvez tout à fait lancer une agence sans argent. Je pense que la création d'une agence, c'est le domaine via lequel vous pouvez vous lancer le plus facilement possible sans investissement. Vous n'avez pas besoin d'acheter de produits et surtout, vous avez la possibilité de grandir contrairement au fait de rester seulement freelance. Donc si vous souhaitez une indépendance financière, je vous invite à créer une agence, en tout cas dans un domaine qui peut vous intéresser. Première étape pour créer une agence. Bien sûr, vous allez devoir réfléchir à votre offre. Dans quel domaine souhaitez-vous vous lancer? Quelle est l'offre simple que vous souhaitez proposer? Quelle est en fait l'offre de valeur? En quoi vous allez être utile à vos clients? Si par exemple, vous souhaitez vous lancer dans le marketing, vous allez peut-être commencer en vous concentrant sur le référencement naturel ou en vous concentrant sur la gestion des réseaux sociaux. Tout dépend un petit peu de ce que vous souhaitez faire, de votre expérience, de votre formation, etc. La deuxième étape, à mon avis, c'est vraiment de devenir un expert et de vous former, de ne pas rester sur un niveau basique, mais vraiment d'aller en profondeur pour avoir l'objectif d'être le ou la meilleure dans votre domaine. C'est là que vous allez pouvoir vous différencier et vraiment apporter une réelle plus-value. Vos clients vont être contents de vos services et petit à petit, vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de récupérer d'autres clients par le bouche à oreille. Moi, je mets toujours un point d'honneur lorsque je place mes étudiants, qu'ils soient vraiment le plus satisfaits possible et très souvent, ils me recommandent ou alors ils repartent même pour un deuxième séjour. Donc, vos clients sont vos meilleurs ambassadeurs. Donc, réfléchissez bien à comment vous allez pouvoir leur apporter la meilleure valeur possible. Donc, j'en arrive au troisième point, ça va être de trouver vos clients. J'ai créé une vidéo « Comment démarrer une agence en 3 étapes ». Comment trouver vos propres clients. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo si vous souhaitez plus de détails sur le sujet. Mais dans tous les cas, vous allez devoir connaître vos clients, savoir où ils sont. Peut-être concentrez-vous sur 1 ou 2 clients. Et si vous avez développé une expertise, vous pouvez commencer seul ou avec un seul partenaire en créant le service vous-même. Personnellement, c'est ce que je vous recommande au début si vous démarrez sans argent parce que vous n'aurez pas les moyens de payer quelqu'un forcément pour faire le service à votre place. À moins que vous trouviez un partenaire ou quelqu'un qui sera d'accord pour partager une partie du chiffre d'affaires. Donc ça peut être aussi une option, mais dans tous les cas, vous allez certainement démarrer petit. Donc, trouvez vos premiers clients et assurez-vous qu'ils soient le plus satisfaits possible. Vous pouvez leur donner davantage de ce qui leur a été promis, dépasser leurs attentes, de sorte à ce qu'ils soient satisfaits. Et là, vous allez pouvoir récupérer 1, 2, 3 témoignages vidéo. Vraiment, n'hésitez pas à demander à vos clients, d'une part de vous recommander, d'autre part de vous créer des témoignages. Je passe à la 4e étape, utilisez les témoignages pour renforcer votre crédibilité et rassurer les clients. C'est la preuve sociale. Les personnes vont vouloir plus facilement utiliser, faire appel à vos services si elles sont rassurées par des témoignages de personnes qui font partie de la même communauté. Donc n'hésitez pas à utiliser des témoignages. Par exemple, sur mon site, j'ai des vidéos d'étudiants qui sont partis à l'étranger. Ça a amélioré considérablement mon taux de conversion puisque les personnes ont enlevé une barrière de peur qu'elles avaient peut-être auparavant par rapport au fait de passer par une agence pour laquelle au final elles ne savent pas quels résultats elles vont vraiment pouvoir avoir une fois qu'elles auront payé. Et enfin, 5e et dernière étape, ce que je vous conseillerais, une fois que vous avez vos premiers clients, vous commencez à développer votre activité, faites attention à vos dépenses et n'hésitez pas à réinvestir au maximum dans votre entreprise. Au début, quand j'ai lancé mon agence, je me payais très peu parce que je voulais
voulais investir au maximum, c'est-à-dire développer mon entreprise grâce au recrutement de personnes et surtout à la publicité. Parce que oui, je vais avoir du trafic grâce au référencement, grâce aux réseaux sociaux, mais si je veux augmenter ma visibilité, en fait, il n'y a qu'en investissant qu'on peut avoir plus de visibilité, soit en temps au niveau de la création de davantage de contenu, soit en argent, puisque vous allez créer des publicités qui vont être affichées auprès de plus de personnes, forcément. Donc, une fois que j'ai mon chiffre d'affaires, je réinvestis toujours une partie en publicité pour pouvoir avoir de plus en plus de visibilité, plus de chiffre d'affaires, recruter d'autres personnes qui vont travailler avec moi et faire grandir petit à petit, progressivement, mon agence. Et vous voyez que c'est tout à fait possible de partir de zéro, on va dire peut-être quelques dizaines d'euros pour créer votre site internet, lancer votre offre. N'hésitez pas à vous former si besoin. Si vous êtes attiré par un secteur mais que vous manquez de confiance parce que vous n'êtes pas encore, à votre avis, compétent. La compétence et la confiance, ça vient avec l'expérience. Moi aussi, quand j'ai démarré au début, j'étais pas à 100% sûre de moi. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Formez-vous au maximum. Lancez-vous avec un premier client. Utilisez ces premiers clients pour acquérir plus d'expérience, pour vous former, pour améliorer votre offre, vos services. Et vous allez comme ça devenir forcément un expert. Si vous souhaitez lancer une agence comme moi, j'ai préparé une heure de formation pour créer un site internet, attirer du trafic, à convertir en client. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très bientôt.